Salut à tous les amis, c'est GameXtra, j'espère que vous allez bien. En tout cas, franchement, moi, je vais bien. Voilà, je suis là, je continue à vous faire des petites vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de cambriolage de GTA V. Donc voilà, on navigue vers l'endroit où on va commencer notre cambriolage. Donc vous allez voir, cette mission, elle est vraiment sympathique. Voilà, ça change un peu du cambriolage de banque ou de bijouterie. Là, c'est vraiment, on va passer par l'eau. Vous allez voir, c'est extraordinaire, cette mission, elle est vraiment superbe. Voilà, on arrive au point. Attendez, on va plonger là. C'est parti. Alors, cette mission elle est vraiment sympathique en tout cas. Hop. Hop. En tout cas, j'ai eu des petites questions. Là, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues. Il y en a certains, ils sont venus, ils m'ont dit GTA, le multi ça va être payant. Donc, les gars, je suis très heureux de vous dire que vous dites n'importe quoi. Parce que le multi sur GTA ne va pas être payant, mais en fait sur GTA vous allez arriver au début, vous n'allez pas avoir toutes les voitures, vous n'allez pas avoir toutes les armes, il faudra les débloquer en jouant au jeu. Mais malheureusement, ben, vous pourrez acheter aussi des voitures ou des armes pour les avoir en avance, pour ceux qui veulent dépenser des sous, pour ceux qui veulent vraiment avoir cette voiture plus vite que les autres ou les armes. Donc voilà. Donc j'ai répondu à quelques questions, le multi ne sera pas payant, ne vous inquiétez pas, il y aura juste les armes. Si vous l'avez plus vite que les autres, ben, vous n'aurez pas besoin de les débloquer, vous pourrez les acheter ou même des voitures. Donc là, j'arrête de parler deux secondes, je suis en concentration. Hop. Voilà. Je suis concentré là, je suis désolé. Donc voilà, on est avec la. On est en train de faire ce cambriolage avec la game code. Il y a tout le monde derrière moi, là, il y a Jericho, il y a Lucas, et Genetics, ils sont dedans dans la banque, ils nous attendent. Hein, je rigole. On est sur GTA. Il y a le gaz, il descend à fond là, côté droit en bas là. Voilà, je suis vraiment content de ma chaîne, franchement, qu'elle marche aussi bien là. Bientôt mes 4000 abonnés, déjà Jericho qui avance vraiment bien, la gamecode qui avance bien, Lucas qui avance bien, DCBerLive qui nous a beaucoup remercié parce que lui aussi de son côté ça avance bien. Franchement, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je suis vraiment très content que ça marche pour tout le monde. Parce que pour moi, voilà, c'est le but, que ça marche pour tout le monde. Parce que voilà, on va pas se descendre les uns et les autres, on n'est pas comme ça. On va plutôt s'entraider. Puis voilà, ça me fait plaisir. Après, Jericho, vous savez que je le connais depuis. Bah, c'est le youtubeur que je connais depuis très très longtemps. Après, bon, j'ai connu Genetics, Lucas. Et après, j'ai fait la connaissance de DCBerLive. C'est d'ailleurs moi qui a demandé à la petite équipe là, de YouTube, la GameCode, de le ramener. Parce que je trouvais que c'était un youtubeur qui est vraiment sympathique et tout ça. Et que il aimait vraiment regarder mes vidéos. Il me laissait vraiment beaucoup de commentaires. Et je voyais qu'il y avait franchement. C'était vraiment un mec sincère et qui aimait mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu travailler avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Avec lui, Jericho, Genetics, Lucas et bien sûr mon pote Dakota aussi, qui est vraiment un bon youtubeur aussi. Car je crois. Désolé d'espérer ta chaîne. 889 abonnés, où il est monté à 90 là. Donc voilà, on monte vraiment bien tous ensemble. Donc je suis vraiment très très fier qu'on s'entraide. Voilà, c'est énorme, c'est YouTube. YouTube, c'est une aventure à vivre. Franchement, les amis, de temps en temps, si vous voulez essayer l'aventure YouTube, c'est une aventure magnifique. Donc c'est un truc à tester au moins une fois dans sa vie. YouTube, vite fait, essayer de faire des vidéos pour des gens, pour voir si ça les plaît, si ça leur plaît pas, ce qu'ils vont vous dire les gens pour votre commentary, parce que peut-être que je suis un youtubeur, parce que même ma copine, elle me dit, voilà, tu fais des très très bonnes vidéos, mais les commentary, il faut que tu essayes de commenter un peu mieux, parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, je commente pas très très bien, je suis pas le meilleur commentateur, je suis pas du tout Diablo X9, je serais plutôt, voilà, moi je suis plutôt un youtubeur qui fait des très bons gameplay, qui trouve des très bons sujets, qui fait des très bonnes parties. Mais c'est vrai qu'au niveau du commentary, je suis pas le meilleur youtubeur. Et puis, on va évoluer avec le temps, tout doucement. On se sentira à l'aise. Déjà, je commence à me sentir à l'aise. À mes premières vidéos, j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais l'impression de m'exprimer avec un gars qui avait une arme à la main. Je sais pas, franchement, le stress, l'envie de plaire aux gens, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a le stress chez les youtubeurs. Et c'est pas aussi mauvais. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un bon truc pour les abonnés, qu'on a pas envie de leur mettre de la merde et qu'on est stressé de leur réponse. Parce que voilà, quand on fait une vidéo, il y a une petite réponse, c'est les commentaires. Ça fait souvent plaisir quand c'est des bons petits commentaires positifs, mais malheureusement, voilà, on n'a pas que des positifs, on a aussi des négatifs de temps en temps et on doit savoir les prendre en compte. Donc voilà, je pense qu'au niveau de ce côté-là, je sais gérer les commentaires négatifs. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça.
Là, on est arrivé. C'est vraiment bien foutu, hein, quand même. Je crois que là, il y a Michael, Franklin. Non, lui, c'est pas Franklin déjà. Lui, c'est qui, lui? Ah, lui, c'est un autre bonhomme déjà avec nous. Je crois que c'est le gars du FIB, là. Le FBI, en gros. Oui, parce que le FIB, c'est le FBI du GTA, quoi. Là, par contre, on tue personne, c'est des scientifiques. Donc, moi, je vais aller avec ça. Je vais éviter de les buter. Hop là. Dors, mon pote, dors. Putain, il faut le foutre dans la tête. Oh putain. Attends, je crois que je vais crever l'œil. Là, ça va, il est encore vivant. Lui, on va lui foutre dans les burnes. Je sais qu'il y en a un ici. Allez. On va stériliser un gars. C'est parti, les amis. Attention. Attention. Allez, ouvre-toi, bordel. Allez. Écoute, Cougnette. Bah oui, tiens, allez-toi. C'est ça. Hop là, c'est bon, j'ai pris sa carte, je crois. Ouais, là, je crois que je suis avec les mecs du FIB, là. Ah, c'est vraiment un cambriolage discret, rapide et tout ça. Mais après, je crois que ça va être le bordel à la fin. Je me rappelle plus, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Ta gueule. Lui, désolé, hein. Celui que j'ai mis dans les couilles, en fait, je dois vous dire un secret. Il a disliké ma dernière vidéo, donc voilà. Vous savez ce qui vous attend. T'es bien couvert. C'est le bolos, il est pas couvert. Allez, allez. Viens là. C'est bien. Eux, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi il faut se mettre à couvert. Parce qu'ils sont en tenue gilet pare-balles, donc ce qui fait que l'électricité leur fait rien, quoi, en gros. Oui, il faut leur viser la tête. Mais pourquoi tu lui tires dessus, espèce de connard, va. Putain, c'est pas des... Mec. Le gars, il a rien demandé, quoi. Il vient, il surveille un truc pour se faire un peu de thune à la fin du mois pour nourrir sa famille. Toi, tu vois, tu lui colles deux balles dans le cul. Ça se fait pas. Voilà. Hop. Oui, parce qu'il a tiré dans les fesses. Hein. Attendez, regardez la vidéo encore une deuxième fois si vous voulez. Il a tiré dans les fesses. Laissez-nous rentrer. Vous êtes qui, vous? Ta mère. Bon, tu nous ouvres la porte? Tu nous ouvres la porte? Tu nous ouvres la porte? Bon, bah, ok. On va prendre ton pote alors. Tiens, toi. Tu nous ouvres la porte ou on tue ton pote? Tu nous ouvres la porte? Voilà, tiens, bien joué. Tiens, toi, je te l'envoie en plein dans le cœur. Tu pourras pas dire le contraire. Franchement, les amis, j'ai juste un truc à dire pour cette vidéo. Vivement le Ghost. Parce que le Black Ops, bon, je m'ennuie un peu dessus maintenant. C'est avant, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, si ça vous arrive à vous aussi, mais les premiers temps sur les jeux, on prend toujours du plaisir. Et après, à 2 mois de la nouveauté, on commence à vraiment jouer pour essayer de faire des bonnes parties, quoi. Forcément, même si je fais des bonnes parties, des fois, je sais pas, mes amis me voient, je fais du, je sais pas, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, du 50 à 2, bah, je suis pas content parce que le jeu, voilà, commence à me saouler en lui-même, quoi. Je sais pas, faire. Un an le même jeu, tout le temps les mêmes armes, tout ça, donc ça saoule après à la longue en fait. Je trouve que ça saoule et ça donne un peu envie de retourner des fois sur les MW et tout ça. Je voulais vous faire quelques vidéos sur MW, revenir un peu sur l'époque, vous savez, on était sur MW et tout ça. Parce que franchement, j'ai trouvé que MW n'était pas mieux que Black Ops, mais Black Ops c'est un jeu vraiment compliqué. Parce que MW, on pouvait jouer en équipe, on pouvait être un peu stratégique, alors que celui-là c'est. On peut l'être aussi, hein, voilà, mais c'est plus compliqué. Après, bon, pour ceux qui ont fait du MW, ils me comprendront peut-être, mais voilà, c'était vraiment plus, enfin, c'est plus compliqué sur ce Black Ops 2 là de jouer en équipe, quoi, je trouve. Arrête de taper le singe, j'ai rien fait. Regardez comment ils sont mignons, ces petits Wistiti. Oh, le mec, ninja, lui. Attention. Alors, ouais, d'accord. Allez, hop. Attention. Bordel, 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 je vais crever, je vais crever, je vais crever. Attendez, on peut pas changer de perso là. Bah oui, parce qu'on est avec des gens qu'on connaît même pas. Ça,
Saber a foiré un braquage. Donc voilà, Saberbush, sur ma vidéo, t'as foiré un braquage. Donc voilà, j'ai vu, t'es nul. Donc Saber, les amis, c'est un abonné très actif sur ma chaîne, vraiment très très actif. Et là, avec le téléphone, en fait, sur GTA, on peut savoir ses amis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ça m'a dit que Saber a raté un braquage, quoi, a foiré, quoi. Bon, sur ma vidéo, t'as foiré un braquage, Saber. Ah, t'inquiète, je suis si mauvais que toi, moi aussi j'en ai foiré en vidéo, donc en direct live. Donc voilà, on est venu pour voler ça. Voilà. Faut vraiment faire ça délicatement. Ah, sinon ça peut péter. Voilà, tranquillou, Narvalou. Voilà. Super. Voilà, casse-toi. Allez hop, là on passe en mode illico, je crois. Voilà, c'est bien ça, j'ai bien fait de croire. En tout cas, les amis, j'espère que mon tuto pour avoir 690 000 $ vous a plu en tout cas. Si vous a plu, faites-le moi savoir. Bon, on va où là? Récupérer le conteneur, donc hop là. Je suis un pilote, moi, attention. Je suis un pilote. Donc je vais approcher du conteneur tout doucement. Voilà. Impeccable. Ouais, c'est parti. Vous inquiétez pas, je crois qu'il me reste encore 3 vidéos à faire sur GTA. Après, les amis, si vous voulez du multi, faites-le moi savoir par commentaire, il n'y a pas de souci. Et vous avez bien vu, une fois, je me suis fait engueuler par un abonné parce que je répondais pas aux commentaires. Donc j'essaye vraiment, vraiment de répondre au maximum de tous les commentaires. Des fois, par contre, souvent vos commentaires s'affichent, mais il y en a certains qui s'affichent pas des fois sur le répertoire, enfin sur la boîte de réception, excusez-moi. Ça ne s'affiche pas des fois, ce qui fait que je ne peux pas voir vos commentaires. Ça me fait bien chier d'ailleurs de la part de YouTube, parce qu'il y a des messages où on voit dans la boîte de réception qu'on a reçu des commentaires, mais il y en a d'autres qu'on voit pas. Donc je trouve ça vraiment dommage. Après voilà, donc vous inquiétez pas, je vous réponds au maximum. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de striptease et qui n'ont pas compris, parce qu'il y en a certains, je crois, qui comprennent pas le français, j'avais bien expliqué que je le referai en août, d'ici le 22 août. Donc pour les cadeaux, les amis, et pour le tirage au sort, ça sera le 22 août à Grenoble, quand je retourne chez moi, les amis. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. En plus, là, bientôt, il me faut encore un peu plus d'audience, des abonnés actifs et tout ça. Et je passe à peu près 5000 abonnés. Je vais commencer un tout petit peu à m'approcher des gros partenaires. Et je pense pour mes 10 000 abonnés, mes 5 000 abonnés, j'offrirai peut-être, je dis bien peut-être, pour mes 10 000 d'ici PS4, j'offrirai sûrement des burns. Mais bon, des burns PS4, bien sûr. Voilà, donc ça sera sûrement des burns, des game capture HD, tout ça. Donc, vu que c'est gratuit, je pourrais vous en offrir énormément. C'est-à-dire que pour tous les 1 000 abonnés, je pourrais vous en offrir sûrement. Donc, voilà, donc maintenant, j'attends juste d'avoir 5 à 10 000 abonnés pour avoir un peu plus de... Parce que je suis pas le genre de gars qui va aller voir un partenaire et qui va se dire, bon, vas-y, je préfère attendre et être sûr que le partenaire me prenne, que le partenaire me dise, non, vous avez pas assez d'audience sur YouTube, 5 000 abonnés, c'est rien du tout. Parce que eux, en fait, si vous voulez, ils me donnent des manettes burn et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut que moi aussi, je puisse leur faire de la pub à eux, vous savez. C'est un sponsor, donc il faut que je leur fasse de la pub à eux de leur côté et que ça leur fasse des choses, quoi. Que ça les fasse gagner... De la pub, quoi, que ça leur fasse de la pub un peu. Qui est-ce qu'il fout, lui? Trevor. Ah oui, Trevor, il doit accompagner la meuf là chez elle. Donc on va faire ça avec lui. Vous avez bien vu, hein, je n'ai plus son vieux véhicule rouge pourri. Là, je l'ai modifié, son véhicule. J'en avais marre du véhicule rouge tout rouillé, là. Le seul moyen d'avoir le véhicule sans qu'il soit rouillé, c'est de le mettre en gris. Parce qu'après, avec les autres couleurs, on voit les taches et tout ça, des rayures du véhicule. C'est dégueulasse. Vous aimez mon klaxon, les amis? Écoutez bien. Bon, en fait, Trevor est un peu tombé amoureux de la vieille. Donc voilà, il est complètement obsédé. D'ailleurs, je crois qu'il a enlevé un truc à son mari. Il a coupé une oreille ou je sais pas ce qu'il a foutu, Trevor, mais bon. Il a fait mal, quoi, en gros.
Écoutez bien les amis, dans 5 secondes, on va tenter un dérapage à la Fast and Furious. Ok, ouais, il est pourri. C'est pas grave. Ah, il est mieux celui-là quand même, hein. Même s'il est un peu fatigué. Ouh, dommage. Voilà, voilà les amis. Allez, espèce d'iconasse, rentre chez toi. Donc voilà, voilà, voilà les amis. Voilà les amis, je suis désolé, mais on va se quitter parce que franchement, j'aimerais encore rester avec vous, faire la vidéo. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fout? Donc voilà les amis, comme je vous dis, j'aimerais encore rester avec vous, faire la vidéo et encore vous dire des conneries, tout ça, mais la vidéo arrive à son terme. Je suis vraiment désolé. En tout cas les amis, je tiens tous à vous remercier, mais tous ceux qui me soutiennent et qui se sentent vraiment, bah, qui savent qu'ils me soutiennent. Un grand merci à vous les amis et encore un bisou à vous. J'espère qu'on va aller aux 5000 abonnés, pourquoi pas. La chaîne à l'avance, c'est un truc de malade, donc pourquoi pas les 5000 abonnés. Donc merci à tous les amis, un grand bisou à tous et à la... Game Mix 13.